Hey, hey, hey! Aujourd'hui, on se retrouve pour la Birchbox du mois d'août! Extrêmement en retard, vous le remarquerez. Mais bon, c'est pas grave, on va faire quand même la vidéo, c'est parti! Donc, comme vous pouvez le remarquer, elle est holographique, ce qui est très 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 beau. Et derrière, c'est une espèce de rose poudré qui est très très beau aussi. On va l'ouvrir en espérant qu'il n'y ait aucun truc de cassé dedans, comme il m'arrive très souvent avec Birchbox. Donc, il y a le petit calepin, comme d'habitude. Votre Birchbox. Lumière d'été. Ouais, tu m'étonnes qu'elle s'appelle comme ça en même temps, hein. C'est holographique, ils ne pouvaient pas trouver mieux. Donc on va commencer par le premier produit, qui est un produit pour le visage, de la marque Exertier Trésor des Alpes, donc qui se présente, ouais que je le montre à l'endroit quand même, qui est donc comme ceci. Alors, le miracle du miel, masque soin. Alors, à retrouver sur le shop, contenance 50 ml, là c'est un... c'est même pas marqué. Assis 10 ml au prix abonné moins 15% de 42,50 €. C'est super cher. Donc nous allons sentir ça. Ça pue, ouais. Ça pue le miel. C'est comme ceci. Je vois pas l'intérêt de foutre un pot de 10 ml s'il n'y en a même pas 10 ml dedans. Il y a la moitié qui est vide. C'est magnifique. Merci Birchbox. Donc, ils disent, on a enfin trouvé le soin anti-dessèchement des peaux en détresse, un masque anti-soif à la texture ultra fondante. Mode d'emploi, le soir déposer une couche épaisse sur le visage, laisser poser 10 minutes et retirer le surplus sans rincer. Vous pouvez l'appliquer en sleeping mask pour infuser la peau toute la nuit. Ses actifs clés, 97% d'origine naturelle. Du miel pour aider la peau à se reconstruire et du beurre de karité aux vertus apaisantes. Voilà pour ce produit. Donc à tester et à approuver ou pas. Ensuite, un produit pour le corps de la marque Huygens. Bon bref, je vous montre comme ça. Ça sera plus simple. J'aime bien le packaging. Donc, contenance 250 ml, là la miniature c'est un 37 ml, un bon miniature quand même. Au prix abonné moins 15% de 21,25 €, qui est quand même assez cher pour un gommage pour le corps. À la verveine d'Huygens, ou je sais pas comment on dit, bref. Le secret d'un bronzage doré qui dure, une exfoliation régulière pour entretenir son joli hâle patiemment acquis. Moi, je suis pas si hâlée que ça, tu me diras. Et pourtant, je suis partie 2 semaines dans le sud. Mais bon, le soleil et la chaleur, ce n'est pas pour moi. Patiemment acquis. Ce gommage à l'huile essentielle de verveine élimine en douceur les peaux mortes et booste le renouvellement cellulaire. Moi, j'aime beaucoup l'odeur de verveine. Donc, nous verrons bien. Ce qu'il fait, vous aide à faire peau neuve grâce à ces micro-particules d'amande douce, exfoliante et à sa texture légère. Son actif... Son actif clé, la verveine ultra rafraîchissante après une journée au soleil. Donc... Ah, ça sent trop bon. Donc... Ouais, s'il veut bien sortir le produit. Ah, ça y est. Ça se présente comme ceci. Voilà. Et ça sent divinement bon. C'est incroyable. Ah ouais, il y a des petits... mais c'est vraiment très très fin. C'est pas agressif. Hein. Les petits grains dedans. Et puis ça sent bon. Mon Dieu que ça sent bon. Donc à tester et à prouver ou pas. Ensuite, un produit make-up. Manakadar Beauty. Le 3 en 1 Fantasy. Donc qui est sous bulle, c'est très bien. Il n'a pas l'air cassé. Ouf.
Alors, à te retrouver sur le shop, contenance 3 grammes, c'est que dalle 3 grammes. Au prix abonné, moins 15%, 14,45 €. Pour 3 grammes, ça ferait pas un petit peu cher quand même. Donc, écoutez, je vais l'ouvrir parce que ça m'intrigue. Oh. Oui, parce qu'il est blisté, hein. Il y a du blister. Quoi, je vais pas y arriver, comme à chaque fois. J'y arrive pas. Ah, ça y est. Non, ça y est pas. On va y arriver. Non, mais hé, ça se fait morceau par morceau, c'est pas possible. Alors, c'est le deuxième produit Madakadar que j'ai et il est impossible à ouvrir ce machin. Ouais, le packaging est quand même cheap. Hein. Au prix que c'est, il pourrait faire des packagings un peu plus sympas, vous ne pensez pas? J'ai réussi à l'ouvrir, il se présente comme ceci. C'est le Fantasy. Donc 3 grammes, c'est que dalle. À presque 15 €, faut arrêter de prendre des gens pour des cons, quoi. Bon, on va le swatcher vite fait. Il a des beaux petits reflets. On va le mettre là. Ouais, on voit que dalle. C'est génial. Ah si, on le voit là. Hop. Il est joli, mais il me fait beaucoup penser à celui, le duo que j'avais reçu également par Birchbox, la même marque, hein, Madakadar, où il y avait un bronzer et il y avait un truc comme ça. Sauf que le coloris est plus clair, mais le rendu, c'est exactement le même, quoi. Donc... voilà, il est bien, ça sert toujours, mais innover Birchbox, innover. Donc ils disent, le glow on l'a dans la peau, fier de votre hâle dorée, quoi de mieux qu'un enlumineur subtilement pailleté pour le sublimer. Ou l'appliquer sur les paupières pour révéler votre regard, sur les pommettes pour rehausser votre mine ou encore sur l'arcade sourcilière façon strobing. Donc voilà, et là vous avez des petits exemples. Mais bon, voilà ce que j'en pense, quoi. Ensuite, un produit pour les cheveux de la marque Oribe, je sais pas. Donc qui se présente comme ceci, j'aime bien le packaging. Donc c'est un après Beach Wave et Shine Spray. Bon, désolé pour l'anglais, hein. Moi je suis française et française du sud-ouest. Alors l'anglais, tu oublies avec moi. À retrouver sur le shop, contenance 300 ml, là c'est un 37 ml, au prix abonné moins 15% à 36,72 €. Ok. Voilà de quoi offrir un bain de mer express à votre chevelure tout en restant bien au sec. Ce spray reproduit l'effet wavy des vagues salées sur vos longueurs en y ajoutant une dose de brillance spéciale. Hashtag Summer Glamour. On adore son odeur délicate, plus sexy que celle de l'océan et du sable chaud. Tu m'en diras tant. Donc il y a un petit tutoriel là. Une chevelure de sirène sur mesure. Moi les cheveux de sirène tu oublieras parce que... voilà quoi. 1. Vaporiser dans les longueurs. 2. Effroisser délicatement en pleine main. Ça vous dit un petit crash test en direct? On va rigoler. Vaporiser dans les longueurs. Ah ok. Oh putain Sarah. Wavy. Ouais, je me retrouve avec une foufoune sur la tête. Hein. C'est génial. Ah oui. Oh, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, maman? Oh. Au secours, au secours. Ah. Oh. Mes cheveux. Bon, ça va, ils sont pas... Ils sont propres d'il y a 2 jours. Donc, c'est pas très grave. Voyons. Hey, hey. Ça le fait ou ça le fait pas? Non. Désolée, je me regarde dans le retour caméra parce que
Sinon, je verrai pas ce que je fais si je vous regarde, vous. Ouais, bon, c'est assez. L'odeur. Qu'est-ce qu'il disait sur l'odeur? Son odeur délicate, plus sexy que celle de l'océan et du sable chaud. Non, pas du tout, ça pue la laque! Comme Vivelle ou je sais pas quoi là, etc. quoi. Ça a rien de. Ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue. Ébouriffé et laissé sécher à l'air comme à Saint-Tropez. Appliquez un rouge à lèvres et enfilez vos chaussures à talons. Moi, c'est les bottes de pluie que je vais mettre. Bref, pas terrible. C'est sympa, mais ça pue la mort, quoi. Donc, j'aime pas trop. Ensuite, un produit cheveux encore de la marque Pure Essentiel. Je connais la marque Pure Essentiel. Complément alimentaire fortifiant cheveux et ongles à retrouver sur le shop contenant 60 capsules au prix abonné moins 15%, 26,05 €. Donc, voici, il y en a combien dedans? Oh putain, ces pilules. Faut les avaler, ces machins, on dirait des suppôts. On va voir ce que ça fait. Donc là, il n'y en a pas 60, hein. Il y en a 30. Il y a 30 capsules. Mais c'est déjà pas mal, 30 capsules. Donc ils disent, ces petites gélules agissent de l'intérieur pour booster des cheveux fatigués. Des cheveux fatigués qui font grise mine. Non, moi, ils font rose mine. Et ou renforcer des ongles cassants. Mes ongles, tu oublies, chérie. Au menu, du zinc, du cuivre et de l'huile végétale de cartame pour des ongles forts et une chevelure plus brillante. La prescription. Un programme d'attaque, 2 capsules par jour avec un verre d'eau. 2 capsules par jour. Pouah. Un programme d'entretien, 1 capsule par jour. Ok. Alors, un esprit sain dans un corps sain. La mantra beauté de Pure Essentiel réinventée chaque jour. La santé de demain, plus pure, plus naturelle, plus efficace pour apporter encore plus de bien-être à votre corps. Ouais, bon. Écoutez, je testerai ça et puis dans tous les cas, je vous en donnerai des nouvelles, hein. Et puis voilà, c'est fini pour la Birchbox. Donc voilà pour ce qui est de la Birchbox du mois d'août. Je suis assez beaucoup mitigée dans le sens où c'est des produits que je connais déjà, mis à part Orib, ça je connais pas du tout. Et puis j'aime pas spécialement, je trouve que ça sent, ça pue quoi, ça sent la laque classique que t'achètes à Lidl ou ce que tu veux, j'aime pas du tout ça. Ça sent vraiment trop fort. Ça pique les narines. Franchement, ça pique les naseaux. Voilà. Ensuite, pour ça, je testerai. Je ne connais pas la marque. Je testerai, mais l'odeur, elle ne me plaît pas. Manacadar, je trouve que ça coûte un bras pour pas grand-chose. Il y a des enluminures qui coûtent beaucoup moins cher et qui sont tout aussi bien, voire mieux. Nguyen's, l'odeur, j'adore. C'est des petits grains, donc ma peau va être contente à tester, à prouver. Et puis ça, ouais, moi, pour me faire avaler des gélules, c'est un peu comme les médicaments, quoi. Il faut vraiment que... Il m'en faut. Mais je testerai parce qu'il faut que je teste. Et puis, ça fera pas de mal à mes cheveux. Ils sont en très très bonne santé, mes cheveux, hein. Mais voilà. Franchement, il n'y a que la boîte qui me plaît. Pour dire ce qu'il y a, il n'y a que la boîte qui me plaît, vraiment. Après, je la trouve pas. Bam, quoi. C'est pas un coup de cœur. Franchement, cette box. Ouais. Déception, déception, les enfants. Déception. Donc voilà pour ce qui est de mon avis sur la Birchbox. On se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous, bisous de moi. Mouah!